Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta dans les chroniques d'Oldenbourg. Alors je vous ai fait grâce de la course et du chargement, on se retrouve donc directement en bas du mausolée, on va se refaire la petite phrase d'accroche, c'est parti. Sous la crypte. Vous avez emprunté avec précaution un escalier étroit, sombre et humide qui menait du mausolée jusqu'à un endroit visiblement beaucoup moins mort que l'étage. Quelqu'un ne souhaitait pas être dérangé, mais les lumières des bougies vous ont guidé jusqu'à lui. Plus vous avancez, mieux vous entendez ce qui se passe de l'autre côté de la porte qui vous sépare. Vous ne comprenez pas tout, mais quelques mots que vous traduisez difficilement vous permettent tout de même de distinguer le sens global des choses. C'est de l'elfique, ça ne fait aucun doute, mais un elfique peu commun, probablement très ancien. Un mot presse votre élan, cependant, un qui n'a pas changé beaucoup au fil des siècles, le mot portail. Quelqu'un invoque un portail, quelle qu'en soit la raison, ça ne doit pas être amical, il faut agir vite. En avant. On est parti, il y a un coffre, ok, très bien. Bah, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des popos. Ok, parfait. On en prend une là. Une ici. Ok, on a ce qu'il faut. Là, on en a 4. Et là, on en a 3. Parfait. C'est parti pour les popos. Hop là. Déception. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Première vue, non. Par contre, là, il y a des choses là. Créature inconnue. On va y aller en douceur. On va envoyer l'ami Roger faire un petit tour. Archer squelette, rogre zombie, créature inconnue, créature inconnue. Encore d'autres là-bas. Ok, alors dans le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par ici. Des fois qu'ils seraient pas tous liés, on a peut-être moyen de les déclencher pas tous en même temps, même si j'y crois pas trop. Soyons honnêtes. Alors, est-ce qu'on est à portée là? C'est un peu juste, mais ça le fait. Et toi? Ok, on a une seule créature inconnue finalement. On va donc caler une petite sauvegarde et on va lancer un assaut. Ok, apparemment, ils sont tous liés. Il y en avait un planqué juste derrière là que j'avais même pas vu. Allons-y, on shoot. C'est quoi un exécuteur squelettique? Et on a été repéré. Ok. Alors, ouais, on peut augmenter on peut dépenser nos points de sorcellerie. C'est pas utile pour l'instant. Alors là, il y a un piège. Il y a bien moyen qu'il y en ait un ou deux qui marchent dessus. Damned qui commence bien l'épisode là, ça fait plaisir. Ici, on a un avoine et on se rate lamentablement. Parfait. Ah, il y a un acolyte quelque part. Ça c'est chiant ça, ça veut dire des sorts. Ah, ils sont trop loin. On a un désavantage, il n'y a pas des torches allumées. Il y aurait eu des torches allumées, il faudrait que je fasse plus attention à ça. Alors on va utiliser son action bonus tout de suite. Ça c'est trop loin. Ok, c'est parti. Même avec la vision dans le noir, on est un petit peu loin là. Allez, c'est parti. Bon bah, tout ça pour faire un 1. Comme ça au moins c'est fait. Non, on n'a pas le choix là. Tant pis. Bon, de toute façon, visiblement, Smosis
a pas envie. Ouh, le petit piège qui fait plaise, il est mort du coup. Bon, j'aurais préféré que ce soit pas sur un archer squelette, mais bon. Toujours ça de prix. On va pas se plaindre. On peut encaisser une petite flèche, ça va. Allez, on va essayer de finir celui-là avant qu'il ne joue. Parfait, un de moins. Bon, on a déjà deux adversaires en moins. Ici, on a moyen. Petite attaque sournoise, parfait. Excusez-moi, le mute là. J'ai un petit éternuement. Ok, ils vont commencer à venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Bon, il s'est un peu planqué malheureusement. On est au contact. On a quand même du mec un peu vénère là. Hein. On va invoquer la petite sphère de feu qui fait plaisir. Ah, on peut pas utiliser le... Ça c'est bon à savoir ça. On peut pas utiliser le... Des sorts qui visent plusieurs cibles avec le sort jumeau. Par contre, on peut prendre le sort accéléré. Et du coup, on peut claquer un truc comme ça. You suck. Ok, on s'est raté là. Et donc, du coup, on peut lancer une nouvelle action. Et claquer nos points. On va garder un petit point quand même de métamagie. On va profiter que lui n'est pas encore caché pour faire tout ce qu'on peut sur sa tronche. Alors là on est bien éclairé, hein, clairement, il n'y a pas trop de photos. On pourrait aussi faire un truc comme ça, et là on en a 4 avec lui. Par contre on voit pas celui-là. Ouais, on envoie les 4 sur l'ogre zombie. Well struck. Oh, il y a 2 qui touchent, c'est pas si mal. Ici, il est temps de caler une petite attaque sournoise. Et une deuxième. Ok, parfait. L'exécuteur, c'est géré. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Aïe. Bon. Alors attention, parce que s'il touche, ça peut picoter, hein. La boule de feu lui fait mal, c'est parfait, on va tenter un coup. Ok, 5. La boule de feu peut l'attaquer aussi. Bim. J'ai fait des jets de dextérité à moins 2, c'est plutôt pas mal. Alors là, on voit celui-là de là où on est. On va donc taper. Pour l'instant, ça se gère pas trop mal. Ah, on a même pas de... Ah, ça c'est intéressant. On n'a pas de malus de CA avec lui. Peut-être parce qu'on est au contact. Non, on n'est pas au contact. Il aurait pu venir plus proche. On va peut-être reculer d'ailleurs. Avant qu'il décide de venir au contact. Quoique non, on va y aller nous-mêmes. Alors, ou alors je charge directement lui. Je pense qu'on va faire ça. On va charger lui. Cache. Well done. Et puis en plus je me suis planté, j'ai utilisé mon action de chargée principale où j'ai utilisé l'action bonus. Du coup il me restait que mon action bonus pour taper, heureusement c'est passé. On va se mettre là pour être protégé. Il préfère tirer sur je sais pas qui. Ouh, le 20. You'll get a nice score. Ouf. Il a perdu sa concentration le pauvre Mad. Ça se comprend. En plus il se foire du coup. Non, en fait il est pas caché, il est tellement grand qu'il est pas caché lui tout simplement. Mais on arrive quand même à se foirer, nickel. On va avancer un peu pour viser les autres là.
Damned, on compte sur toi. Parfait. Mode, je pense qu'il va se claquer une petite potion. Ok, pas mal. Petit coup retourné. Bon, c'est propre ça. On se déplace vers lui. Roger qui fait le taf, hein. Il court un peu partout là, mais il fait le taf. Ah bah du coup, l'archer qui se replie. Toi, tu nous claques une potion. 4, oh, t'es sérieux, double 1 quoi. Double 1 sur les dés de soins. Du coup, cache-toi. Ça me fait honte. CA plus 5, ça va être compliqué de le toucher, mais bon, sur un malentendu. On a suffisamment de vie pour l'instant pour risquer de s'exposer comme ça, hein. C'est juste un archer squelette, ça va. Alors cette fois, je fais pas de la merde, je fonce avec ça. Et malheureusement, c'est quand même trop loin. Roger qui est toujours là quand il faut. Oula, le petit 19, 1, 2, ça va. Mad, tu fonces. 4 combats. Je suis tout à fait d'accord. Ici, on va se mettre dans son dos. Conserver notre emplacement, c'est parfait. Et on arrive quand même à se foirer. Ça, c'est moins parfait. Allez, on avance. On lui met une petite, un petit trait de feu. On se rate. Bon, là, par contre, faut arrêter les conneries. Merci, Roger. Eh bien, bon combat! On récupère de la flèche, ça commence à en faire quand même beaucoup. Ah, ouais, qui est intéressant, des petits morceaux de projectiles. Petite fleur, 2-3 flèches. L'armure d'écaille, on a dit que c'était pas intéressant, ça non plus. Est-ce qu'on aurait des trucs à voir ici? Oui, là il y a des choses là. Ok. Et là, on n'a pas looté, même si ça sera probablement des flèches et des arcs. Ok. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a dans cette crypte. Je bois un coup parce que je tousse. Sauvegarder au cas où il y a un truc de merde. Cette tombe est vide, en jeu par les cierges, votre ingrédient installé, le portail aurait dû être ouvert à l'intérieur. Du coup, on a des ingrédients pas inintéressants et du cierge, admettons. J'ai même pas regardé d'ailleurs, mais niveau fabrication, normalement, on a absolument pas ce qu'il faut. Ah, on peut faire des parchemins de soins. On a un petit magnésium, on pourrait faire un parchemin de soins à l'occasion. Repassons en prudence. N'oublions pas que Sir Madness est du genre à nous faire des petits trucs qui apparaissent dans le dos. Eh bien, c'était moi et une. Ça doit être une issue secrète, je sens l'air frais de la montagne. Seulement on avait trouvé ce passage avant, on aurait gagné du temps. Parchemin de repli, ok, admettons. Une broche. Un petit peu de bouffe, tout un tas d'ingrédients fort intéressants. Une javeline, ça on s'en fout par contre. Hop. Les flèches, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Il nous manque des amarantes. Dans tous les cas, il nous manque des amarantes, tant pis.
Dommage, des petites flèches empoisonnées, ce serait propre pour Roger là. Chapitre 1, des acolytes de l'Arcanéum dans la crypte. Vous venez de terrasser un acolyte sur le point d'ouvrir un portail dont vous ne savez rien, certes, mais ça ne présageait rien de beau. Rien de bon. En fouillant les cadavres, vous avez trouvé sur lui une missive envoyée par un certain S, lui intimant l'ordre d'ouvrir ce portail puis de le rejoindre. Le lieu n'est pas indiqué. Se pourrait-il que ce soit Charnwick ? Dans tous les cas, cet acolyte n'agissait pas pour son propre compte, et en jugé par les tenues de ces individus, l'Arcanéum est peut-être également mêlé à l'affaire. Votre quête ici s'achève, il faut désormais retourner à Oldenburg pour rendre compte de votre mission de vos découvertes. Les habitants réfugiés vont pouvoir retourner dans leur foyer, cependant que la milice d'Oldenburg devra patrouiller dans les environs encore quelques temps pour éradiquer les morts-vivants errants dans la nature. Vous trieriez empaqueter au mieux le butin amassé avant de quitter les lieux, direction Oldenburg, et une récompense bien méritée. Et on a terminé le chapitre 1. Cool. Voyons voir ce qu'on nous propose ensuite. Carte du monde. Naviguez sur la carte du monde et choisissez votre prochaine destination. Tout moment, vous pouvez utiliser les feux de camp pour vous reposer et retourner sur les lieux déjà visités. Bon voyage, aventurier. Ok, donc ça c'est la petite carte du monde de Sir Madness. Que du coup, c'est pour simuler la vraie carte du monde que, bien sûr, on n'a pas dans les donjons custom. Il y a des coffres cachés, j'en étais sûr. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Hop, hop, une épée courte. On va explorer tout ça. Il y aura peut-être même bien 2-3 combats à droite à gauche. C'est grand, dis donc. Alors, par ici, où est-ce qu'on va ? Ruine de la forteresse des trois seigneurs. Quelque chose me dit que c'est pas tout de suite notre niveau là. Alors ici on a un petit truc de plante. Ah mais on peut pas le looter bizarrement. Peut-être mal placé par rapport au feu de camp. Non, je veux pas faire de repos long, je voulais ramasser ça mais c'est pas possible malheureusement. Je vais remontrer ça. Je vais regarder c'est quel endroit. Chapitre 4, non disponible, save de perso, ok, c'est pas encore tout à fait terminé. Enfin, c'est pour sauvegarder le personnage, ici on a un feu de camp de nouveau. Donc près de la save, il faudrait que je lui dise, il y a un buisson qu'on ne peut pas loot. Ici, il n'y a rien de très intéressant. Alors, ici j'ai cru voir qu'il y avait comme un établi de marchands. Bibliothèque du patrimoine, rien à voir. Ça c'est quoi ? Chapitre 3. C'est un petit peu trop tôt pour nous. On va regarder un peu ce qu'on a ici. Nous on venait de là. Hein. Logique, on devrait aller ici. La croisée des chemins. Le cloître des neiges éternelles. Sur la route d'Oldenburg. Sur la route. Y a pas de Oldenburg. Village d'Oldenburg. Non disponible, save de perso. Est-ce que ça fait ? Est-ce que ça nous termine le truc ? Le groupe est victorieux. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, on va mettre à jour et on va repartir. Donc, on relance une nouvelle aventure pour le coup. Hop, hop. Ouais, mais du coup, ça m'embête parce que si je retourne dans la zone. Non, on va plutôt recharger. En plus, on avait fait une quick save là, du coup, on va pas s'emmerder, on va recharger là. Donc si on va à Oldenburg, on termine. Du coup, on va plutôt aller à la première map qu'on avait, à savoir le cloître des neiges, voir un peu ce qu'on peut y faire de beau.
On va refinir d'explorer. Je découvre, hein, c'est malheureusement les hacks entre guillemets que Sir Madness a dû mettre pour compenser les choses qui ne sont pas possibles pour l'instant dans le dans l'éditeur de donjon. Et notamment bah, la carte du monde, les transitions entre les maps, les marchands, etc. Hop. Venez donc par ici les gars. Plus que ça. Et donc nous, on va aller plutôt du coup par ici. Alors on va vérifier si c'est bien la zone d'où on vient. Je pense que oui. La crypte, c'est ça. Ok, donc on va faire ces deux trucs là et après on fera le chapitre 2. Monter dedans. Hop là. Alors, le parvis du cloître. Alors que votre groupe voyage et que les discussions vont bon train sur le partage du butin récolté, vous vous rappelez qu'il existe un temple de l'ordre des neiges éternelles dans les parages. Votre barda est lourd et votre voyage est encore long. Peut-être qu'échanger quelques objets avec ces paladins permettrait de vous allonger et pour vous alléger, pourquoi pas, profiter d'un bon repas en leur compagnie. Un petit détour ne ferait pas de mal. Vous avez fait du chemin pour arriver ici, il vous tâte de rencontrer l'ordre des neiges éternelles et d'échanger avec eux. On dit que sous leurs airs bourrus, ils sont des gens avenants et chaleureux. C'est un ordre que vous connaissez assez peu, sorti des grandes lignes, ce sera l'occasion d'en apprendre plus à leur sujet. Vous savez qu'il existe quelques autres temples, mais pas précisément où. Font-ils des pèlerinages? Pour vous, c'est un plaisir de venir à leur rencontre et à en croire ce qu'ils se disent. Ils ont dû voir passer un bon nombre de voyageurs, ont sûrement autant de ragots en réserve. Alors que vous flânez dans votre esprit, la voix de l'un de vos compagnons vous fait revenir à la réalité. J'aperçois l'entrée du cloître là-bas. Avançons. Bravo. Bulé sur la route. Là, autre chose. Alors, il y a plein de trucs. Ça fait du bien de sortir des donjons un peu, tout à fait. Donc ici on a un petit buisson, ah une amarante, c'est parfait ça. On pourra immédiatement lancer. Alors toi, bonus de fabrication plus 5, ça c'est bon ça. C'est parti pour une petite flèche de poison. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tente. Vous glissez la tête sous la tente, ça sent l'humidité. Très bien. Vous avez besoin de quelques secondes pour s'habituer à l'obscurité, vous n'avez rien de particulier, quelques outils, une pelle, des caisses vides et des tréteaux, de grandes planches, de quoi monter des tables pour les marcher ensemble. L'ordre fait également des échanges à l'intérieur de l'extérieur du temple, visiblement, et ça paraît normal. Vous ressortez de là en vous cognant la tête, ils auraient pu prévoir plus de hauteur. Très bien. Sans doute ici que l'ordre prépare ses marchés. Putain, il a même fait les petits trucs de PNJ complètement gratos, quoi. Frère Baruch, épitaphe, j'ai toujours aimé la poésie. Aujourd'hui je suis comblé, je repose avec les vers. Wouah, cet épitaphe de fifou. Frère Friedrich, épitaphe, à bientôt. Ça, c'est un peu plus flippant. On aurait pu s'attendre à davantage de tombes ici. Ces tabalins sont immunisés au mal. Ils vont vraiment avoir du travail avec ces ruines. C'est vrai que c'est plutôt... Je pensais qu'ils vont reconstruire. Je sais pas, mais... En tout cas, ils ont l'air bien posés. Cela vous donnerait presque envie de pêcher. Mais que peut-on pêcher ici? Ouais, il n'y a pas grand-chose, je pense, dans le trou d'eau. Une baguette somptueuse. Oh, intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous apercevez quelques objets dans le cabanon. Un gourdin, un PO et une potion non identifiée. Franchement, c'est cool, hein. C'est vraiment bien fait. Il y a une invasion de casteurs ici. Ils ont eu besoin de bois pour reconstruire. Les choses sont remplies de l'eau de la dernière pluie. Attention aux moustiques. Tiens, tiens, on essaie d'être prévoyant, cher bûcheron. Ou un petit diamant planqué dans une bûche. Voilà qui est fort sympathique.
Un gourdin, ouais, un gourdin, on va pas en faire grand chose. Alors on peut taper sur cette souche. Ah, le bûcheronnage. Ok. Quel travail. Ici, il y a de quoi pousser. Quelqu'un a découpé tous ces arbres. On prépare le bois pour l'hiver, visiblement. Il faut souhaiter qu'il replante ailleurs tout de même. C'est vrai qu'ils ont bien fait plaisir. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ce champ est en cours de préparation probablement pour l'an prochain, il est un peu tard pour planter. Ici on l'a pas pris celui-là. Non, c'est celui-là qu'on a vu. Celui-là on l'a pas ramassé. Une bruyère orageuse. Ce puits semble avoir été condamné depuis longtemps, hein, jugé par la rouille sur la grille. Donc il n'y a pas de PNJ hein, dans le créateur de donjon malheureusement. Un champ en construction pour les prochaines saisons, mais il faudra faire tomber ce mur, il cache le soleil. Je savais pas que sur Manet c'était jardinier. Vous n'imaginiez pas les paladins planter, bêcher et cueillir, mais il faut bien manger. Il y a un truc là-bas. Caché. Du lichen, parfait. Alors il nous reste ces deux trucs là qu'on n'a pas vu. Il y en a un truc à looter là-bas et un truc là-bas. Quelques tournesols. Incroyable! Les fleurs de lune sont cachées sous les tournesols. Incredible. L'espace d'un instant, vous songez sérieusement à déposer vos armes pour vivre de vos cultures. Pourquoi pas? Ah! Il y a des petites araignées ici. Oula, c'est pas évident là. On va se faire repérer hein, c'est pas trop de doute là-dessus. Merde, Damned est un peu devant par contre, ça va, il est bon, sort jumeau, c'est pas forcément utile. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien pour l'instant, faut qu'on avance. Des petites araignées, un dégât. Voilà. C'est pas ce que j'appellerais une réussite. Merde, Damned, reste une tatane. Ah non, même pas, il tape sur Mad. Bah, du coup, Damned, faut que tu me choques ça et que tu recules. Voilà, merci. Mad, tu cognes s'il te plaît. Boum, mort. Putain, il y a du monde. Il y a quelques coups qui vont passer, hein, forcément. Hold firm. You've endured worse. Ah, il s'est pris un poison. En avant, Roger. Roger. Merci, Roger. Ça, ça rate. Raté. Pas très très efficace, Zemoy 6, hein. Zemoy 6. Il rate beaucoup ses traits de feu, je trouve. Allez, on touche. Ah bah non, un petit 1. Parce que pourquoi s'embêter à toucher? Bah oui, tu prends cher un moment normal, hein. Heureusement, Roger est là. Franchement, je pensais lui laisser son bouclier jusqu'au bout à Mad, mais mine de rien, cette hache à deux mains, elle fait le taf et... Il encaisse plutôt bien avec son 16 de CA là. Oh, c'est géré. Bon, bah ils avaient... Ah mais il y en a une autre là-bas. Il y en a une planquée là-bas. Est-ce que je la vois?
qu'on repasse en prudent et qu'on va lui mettre une petite fessée? Oui. Totalement. J'aurais peut-être dû me mettre dans son dos plus que ça. Roger qui fait le café, on va pas dire le contraire. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille pour que je le voie? Ici. Ici non. Ici non. Ici, je la vois. On me verra aussi, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de réussir à lui mettre au moins un trait de feu avant qu'elle joue. Voilà. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'on ramasse de beau? Flèche, carreau d'arbalète, des petites glandes à venin. Bon, c'est pas si mal. Et là, j'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait. Berk et Ido venir déranger ces bestioles de leur nid. Bah, on trouve des pantoufles. Oh, elles ont dû être oubliées il y a longtemps. Ah, il y a des bêtes à l'intérieur. Brrr. Bon, bah, il va être temps de lancer un petit. Un petit rituel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet magique? Donc l'Arcelon n'était pas magique déjà. Les diverses broches et compagnie non plus. Toc toc, là non plus. Alors par contre ça c'est magique. La baguette est magique aussi. Chaussons de pattes d'araignée. Ouh, c'est bon ça, j'adore cet objet. Bon, il va pas forcément nous être hyper utile. Encore que. J'allais dire parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de niveau à monter, etc. Mais c'est un objet qui permet de monter sur les murs en fait. Il fait qu'on a le sort pattes d'araignée en permanence sur nous. Ce qui est hyper hyper pratique dans la campagne où il y a des niveaux à monter, on peut du coup au lieu de faire des sauts escalader directement les colonnes, etc. Mais du coup ça veut dire. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ça veut dire qu'on pourra peut-être atteindre le coffre qu'on pouvait pas atteindre là dans l'endroit d'où on vient. Et on a une potion de force de géant des collines. Alors déjà regardons un peu cette baguette. Baguette de détection de la magie. Bah, c'est pas très utile, hein. On a largement ce qu'on veut déjà en termes de détection de la magie. Ça, on va le filer à Roger. C'est Roger qui va avoir droit aux pantoufles. Et la force passe à 21. Ça, ça peut être utile, ça. Ça peut clairement être utile. Par contre, la baguette, j'y crois pas trop. On sélectionne tout le monde, voilà, merci, et on rentre dans cette case. C'est parti. Bah, c'était cool cette petite zone tampon là. D'ailleurs tellement cool qu'on va s'arrêter là je pense. On va voir s'il n'y a pas un truc qui se lance là, mais... Non. Donc on va, avant d'avancer et de lancer le petit speech, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.